Bonjour, c'est Cyril des solutions pour réussir en learning.com. Alors, sur cette nouvelle vidéo, je voulais en fait vous montrer une petite méthode avec Belkaya Timing avec les chandeliers. Donc là, j'ai mis les deux. Bon, on peut penser qu'en fait ces deux indicateurs sont frères quand même, hein. On peut les classer comme ça. Alors, j'ai eu des commentaires qui me disaient oui, mais bon, le centre de gravité est dynamique, il bouge. Donc, quand on nous montre en fait des images ou des vidéos de prise de position, eh bien, on nous les montre de l'avant, quoi. Donc, pas en réel. Donc, c'est vrai que c'est pas bien parce que nous, on veut du réel à cause que le centre de gravité bouge à chaque fois et il est dynamique. Bon, c'est vrai que bon, là, c'est pas une vidéo sur une prise de position. J'en ferai plus tard, mais là c'est simplement juste pour vous expliquer un petit peu la méthode. Bon, par exemple ici là on descendait, on avait un peu d'hésitation, on se pose la question, est-ce que ça va continuer, est-ce que ça va se retourner? Bon, on peut croire aussi que cette hésitation-là, bon, elle aurait pu par exemple venir sur un premier trait vert, pourquoi pas, hein, c'est après en fait comme le centre de gravité donc qui est dynamique, qui bouge un peu soit à la hausse, soit à la baisse suivant les prix, donc on n'a pas les antécédents d'avant. C'est comme les flèches, elle a pu se présenter ici, et en fait requalifier, on ne peut pas savoir. Donc il y a une méthode quand même assez simple, c'est de regarder en fait Belkaya Timing, c'est de voir un petit peu les seuils psychologiques. Donc là, on descendait, et en fin de compte, ici, en fait, on voit qu'on est plus. Enfin, sa force, c'est de voir un petit peu que ça forme comme des sortes de trading range. Donc, on est venu taper ici. Donc, on voit ici, là, on a dû rebondir plutôt. Là, on a l'hésitation et au même moment, on vient rebondir sur une ligne. Donc, on peut penser que si on vient casser cette ligne, eh bien, on peut s'apprêter à prendre position. Alors, quelquefois, ça se fait en même temps. Quelquefois, c'est Belkaya Timing qui le fait avant un ou deux chandeliers, avant les chandeliers du graphique. Donc, c'est aussi intéressant de ce côté-là. Donc, on n'a pas clôturé au-dessus. Donc, on est toujours à la baisse. Et ensuite, bon, on a baissé et on refait à peu près la même chose. On vient faire des hésitations. Donc, pareil sur la même ligne que la dernière hésitation là. Et on peut penser que sur un chandelier qui va venir en fait casser donc cette ligne là, donc bien sûr, ça va être un chandelier vert. Ça peut être un chandelier rouge, mais si c'est un rouge, il clôturera forcément plus bas. Donc, c'est ce qui s'est passé. On a eu un chandelier vert qui est venu, en fait, vous voyez ce chandelier qui est venu clôturer au-dessus. Alors, si, et seulement si, on a la même chose en 30 minutes, donc on trace une ligne, on regarde en 30 minutes, et en 30 minutes, en fait, on voit que cet indicateur, en fait, est à la hausse. Donc, on voit déjà un premier chandelier vert ici, et ce deuxième-là qui est la hausse. Donc, pourrait tracer une ligne imaginaire et on verrait que c'est direction du haut. Alors celui-ci, non, pas encore. Moi j'aime bien avoir les deux, ça me donne un fort signal, mais déjà juste un indicateur, c'est déjà pas mal. Donc on est bien à la hausse là, c'est pas comme si on était en plein milieu non plus de celui-ci, hein. Voilà, donc on revient en 5 minutes et on peut s'apprêter à prendre position sur le prochain chandelier, vu que celui-ci a cassé en fait ce seuil psychologique, donc ça reviendra à prendre position sur celui-là. Et juste ici, juste à son ouverture en fait, il n'y a pas la peine de se poser des questions. À l'ouverture de chandelier, on prend position, on a calculé 5 ou 10 secondes avant son stop loss, on le met à 5 pips en dessous, enfin 5 pips minimum en dessous du dernier plus bas. Donc ça nous fait 32 plus 5, 37 plus le spread, admettons 2 ou 3, ça nous fait 40 pips, donc ça met à peu près là. Et ensuite, on va aller chercher en fait les bénéfices quand ça va venir en fait taper. Rebondir sur la première ligne rouge ou la deuxième, c'est suivant comme on veut. Voilà, donc le but en fait de cette méthode, c'est d'entrer sur le marché et d'en sortir assez rapidement grâce au centre de gravité. Le centre de gravité est là, pas forcément pour nous dire quand entrer, mais surtout quand sortir. Voilà, il faut bien faire cet amalgame-là, cette différence, il y a aussi pour nous dire, pour nous définir nos objectifs en fait de hausse. Premier objectif, c'est ligne bleue. Deuxième objectif, première ligne rouge. Et troisième objectif, deuxième ligne rouge. Il faut toujours regarder ce qui se passe en 30 minutes. Alors, admettons que le centre de gravité était positionné autrement et qu'on arrivait vers la première ligne rouge comme ceci, ou à peu près pareil, que le centre de gravité était positionné comme ça. Eh bien, on va aller regarder ce qui se passe en 30 minutes. En 30 minutes, on voit très bien qu'on est toujours haussier. Donc, on ne prend pas encore les bénéfices, on peut attendre qu'il aille jusqu'à la deuxième ligne rouge. Et puis, si on voit déjà qu'on a une ligne rouge comme ça, une petite ligne rouge là, sur ce graphique,
Enfin, déjà, j'ai pas vu, mais déjà là, on commence un petit peu baissier là. Sur celui-là. Si celui-ci confirme, eh bien, à ce moment-là, on peut prendre ses bénéfices. Parce qu'on peut penser que ça va retourner à la baisse. Hein, et c'est ce qui s'est passé après. Ça commence à retourner à la baisse maintenant. Voilà, le but en fait, c'est d'aller chercher en fait les seuils psychologiques sur cet indicateur-là et de regarder quand ça va en fait casser en fait la ligne imaginaire qu'on va tracer. Et on va regarder en 30 minutes si ça va dans la même direction, c'est bon. Alors, une autre, un autre exemple. Donc, par exemple, directement aller voir sur cet indicateur-là. On voit très bien qu'ici on était, on allait rebondir sur la même ligne. D'un seul coup, boum, on fait en fait un plus haut. Très bien, on fait un plus haut. Donc ça nous fait un grand chandelier. Là, c'est quand même assez. Assez ah non, on est en 30 minutes là, pardon. On est en 30 minutes. Le mieux. Enfin bon, on peut regarder quand même, c'est pas grave. On est en 30 minutes, on a le chandelier là qui explose. On va aller regarder en 4 heures. On est aussi en 4 heures. Bon, on peut penser qu'on va monter. Bon, c'est quand même assez. C'est rare d'avoir des grands chandeliers comme ça qui a fait une grande hausse. Moi, je prends pas position après. En 5 minutes, ben c'est pareil. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe là. Là, on voit très bien qu'on est en train de casser. Celui-ci, bon, il a cassé un peu. Il suffit de regarder un petit peu ce qui va se passer. Si on le met dessus comme ça, en 30 minutes, à mon avis, voilà, ça monte pas, ça descend. Donc là, on est en descente. On a un signal d'achat en 5 minutes, c'est même pas la peine d'y aller. Voilà, c'est pas la peine d'y aller là. C'est bien descendu. Il faut bien aller chercher en fait cet indicateur-là. En fait, il va révéler pas mal de secrets. C'est comme les gaps. Regardez, pardon, on en a ici entre ce chandelier-là qui a fait effet ressort en plus. On voit très bien qu'il a fait un effet ressort. Donc ça, c'est un signe de retournement à la hausse. On vient de faire un gap là. Généralement, quand on a un gap comme ça, qui n'est pas très haut, hein, qui est plus de ce côté-là, eh bien, on va aller directement sur la première ligne, quasiment sûr, sans revenir en dessous de ce chandelier là et vice versa sur le graphique. C'est ce qui s'est passé là. On aurait pu prendre position par exemple sur le rouge ici, mettre un stop loss là et ensuite aller chercher de ce côté là les bénéfices. Le tout en fait, c'est d'être patient. Si on est patient, c'est le mental en fait, le trading. Il faut bien être patient, faut bien regarder ce qui se passe. Alors là, on avait bon, c'est pas obligé que ça se fasse toujours sur cette ligne-là. Moi, ce que je vais chercher, je vais aller chercher par exemple trois chandeliers, trois clôtures de chandeliers sur une même ligne. Donc, quand ça va repartir à la hausse, quand il y a en fait un retournement haussier, je vais rechercher trois clôtures donc au-dessus. Là, en l'occurrence, j'en ai pas. Bon, là, j'en avais. Mais c'est trois là. Et puis, je vais aller regarder un petit peu ce qui, voilà, sur le. Je vais mettre une ligne au-dessus du troisième, du dernier, quoi. 1, 2, 3. Je vais là. Et le prochain chandelier qui va clôturer au-dessus, je vais regarder en 30 minutes si s'il est haussier ou pas. En l'occurrence, là, il n'est pas haussier, là. Sur celui-ci. Il est baissier encore là. Et on voit que c'est encore baissier là. Donc c'est pas la peine. Je vais aller rechercher soit un bon trading run ici, soit trois en fait. Tiens, là on en avait près 3 l'un côté de l'autre, sauf un qui est au milieu. 1, 2, 3. Donc je vais regarder là. Je mets ma ligne, avec un prochain chandelier, paf, il clôture au-dessus. Est-ce que je vais pouvoir prendre position? Donc à la hausse, je vais regarder ici. Là on commence à être à la hausse un petit peu ici, on a au moins un indicateur qui est à la hausse. Celui-ci a suivi. On peut attendre que celui-ci suive et qu'il y a le petit trait rouge en fait qui apparaît si on veut vraiment être sûr. Et en fait, après ça repart à la hausse. Voilà, donc en fait, il faut bien regarder, il faut toujours avoir deux time frames et aller chercher les sortes de trading run sur cet indicateur-là. Et dès que le prochain chandelier vient casser ce trading range, eh bien on va regarder en 30 minutes si ça va dans le même sens. Et si ça va dans le même sens, eh bien on peut prendre position jusque vers une première ligne rouge ou la deuxième ligne rouge. Le but, c'est de prendre des bénéfices quand même assez rapidement. Voilà, tout simplement. Donc cette vidéo maintenant est terminée. Donc je vous ai expliqué un petit peu de façon succincte cette méthode. Je reviendrai dessus, je ferai des prises de position donc et je les filmerai donc l'avant, le pendant et l'après. Comme ça on pourra mieux se rendre compte
de la fiabilité de cette méthode. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et surtout de très bons trades. Au revoir.